L'aspirateur moderne est un engin formidable. Grâce à lui, les saletés disparaissent comme par magie des recoins les plus inaccessibles. Avant son invention, les maisons étaient bien plus sales, comme mon atelier. D'habitude, mon atelier est quand même plus propre que ça. On pourrait croire que l'aspirateur facilite le travail. Pourtant, les gens passent aujourd'hui autant de temps à nettoyer leur maison qu'il y a 100 ans. En revanche, grâce à ces machines, les maisons sont plus propres. Durant cette émission, je vais étudier le fonctionnement de l'aspirateur et son évolution. Avant l'arrivée de l'aspirateur, on nettoyait les tapis et les tissus d'ameublement en les battant vigoureusement en plein air. Selon la tradition, cette activité avait lieu une fois par an durant le grand nettoyage de printemps. L'idée d'une machine à nettoyer était très attrayante, car les maisons victoriennes étaient encombrées de tapis et de tissus d'ameublement. De nombreux brevets pour des machines de balayage et de battage furent déposés à partir de 1850. Certaines comportaient des dispositifs rudimentaires d'aspiration. Pour avoir un aspirateur vraiment pratique, il a fallu attendre l'arrivée de moteurs plus petits et plus efficaces. Les premiers moteurs à combustion interne apparurent vers 1900. On les utilisait, entre autres, pour alimenter les compresseurs produisant l'air comprimé. À l'époque d'Édouard VII, on essayait de nettoyer les tapis et les tissus d'ameublement avec de l'air comprimé, mais il y avait un problème, la poussière s'envolait partout. Puis retombait exactement d'où elle venait. En 1901, on fit une démonstration de ces systèmes de nettoyage plutôt insatisfaisants dans des wagons à la gare de Saint-Pancras. L'ingénieur Herbert Cecil Booth était sur place. Booth était un ingénieur des travaux publics qui construisait des ponts et des grandes roues très populaires vers la fin du siècle. Celle-ci a été construite à Blackpool en 1896. Pour Booth, aspirer les saletés dans un récipient à travers un filtre semblait une bien meilleure idée. Sa toute première expérience consista à poser un mouchoir sur un canapé et aspirer très fort. La saleté accumulée sur le mouchoir confirmait la validité du principe. Il fabriqua sa première machine avec un simple sac pour récupérer les saletés et une pompe aspirante. Ça marchait bien. Mais elle était tellement grande qu'il fallait la laisser à l'extérieur de la maison du client. Son aspirateur fut surnommé le serpent bruyant, et il valut à Booth de nombreux procès pour avoir effrayé des chevaux. C'est en grande partie grâce au couronnement d'Édouard VII en 1902 que la machine de Booth eut du succès. Malgré tous les préparatifs, on ne remarqua qu'au dernier moment l'effroyable saleté des tapis sous le trône de l'abbaye de Westminster. Seule la machine de Booth permettait de nettoyer les tapis sans avoir à les retirer. Le roi en entendit parler et demanda qu'on lui en fasse la démonstration à Buckingham Palace. Il en acheta deux. Your apparatus is frightfully impressive. Oh, thank you very much, sir, thank you very much. Booth ajouta des sacs transparents pour que les gens puissent voir les saletés aspirées. Les machines devinrent une attraction très prisée dans les soirées à la mode. Grâce à la clientèle royale, le succès de la machine était assuré. La machine de Booth attira aussi l'intérêt du public, mais elle était bien trop grande et encombrante pour la plupart des maisons. D'autres constructeurs commencèrent à fabriquer des balais mécaniques plus petits. Voici le Sweeper Valiant, fabriqué à San Francisco. Le British Queen. Qui ne semble pas très bien marcher et qui est difficile à utiliser. Le Star. Un peu moins encombrant. Ah, j'ai quand même presque aspiré une poussière là. Le Reeves Pneumatic Broom, qui ne ramasse pas beaucoup de saleté d'un coup. Oh, il vient d'aspirer une pub. La plupart de ces machines étaient bien moins efficaces qu'un simple ramasse-poussière et sa balayette, mais à l'époque, on avait la phobie de la poussière que l'on croyait pleine de microbes.
En 1907, un docteur français écrivit « Balayer et enlever la poussière à sec sont des pratiques meurtrières. Vous soulevez la poussière qui traîne par terre et sur les meubles et la mélangez à l'air que respirent les membres de votre famille. Il serait préférable de laisser la poussière où elle est. » En fait, c'est exactement ce que faisaient ces premières machines, tant elles étaient inefficaces. Voici le Daisy numéro 2. Un bel engin, mais je ne crois pas qu'il nettoie très bien ce tapis. Et le Baby Daisy, qui est en fait plus grand que le Daisy numéro 2. Eh oui, c'est difficile de faire deux choses en même temps. Il n'a pas l'air très efficace non plus. Entre-temps, aux États-Unis, un croque-mort du nom de Spangler avait breveté un aspirateur portable avec un moteur électrique. Il vendit son brevet à Hoover, un fabricant de harnais, inquiet pour la survie de son métier, les gens achetant de plus en plus de voitures. Hoover eut beaucoup de succès et commença à fabriquer des machines à l'étranger, y compris en Angleterre. In the carpet, excavating through the pile. Work the pit gang, call the grit gang, digging deeper all the while. Oh my carpet, oh my carpet, oh my carpet, don't forget. With a Hoover, yes a Hoover, we will beat the blight of yet. Oh my carpet, oh my carpet, oh my carpet, don't forget. With a Hoover, yes a Hoover, we will beat the blight of yet. L'appareil Hoover moderne de base n'a pas beaucoup changé. On l'a démonté pour voir l'intérieur. Voici le ventilateur qui aspire et fait tourner les brosses et les batteurs. La saleté est délogée par les brosses tournantes et aspirée à travers le ventilateur dans le sac à l'arrière. L'aspirateur traîneau est un peu différent. Il ressemble à la première machine de Booth. J'enlève la partie inférieure. Sur ce modèle, la poussière arrive directement dans le sac. L'air passe directement à travers le papier qui sert de filtre et traverse le ventilateur pour sortir par la grille au-dessus de la machine. La position du ventilateur et du sac est inversée. L'air qui passe à travers le ventilateur est propre. On peut donc donner une forme plus élaborée aux ailettes, permettant ainsi une puissance d'aspiration plus forte. L'aspirateur compact et le modèle plus moderne au traîneau aplati sont identiques à celui-ci, sauf que le sac est plus grand. L'aspirateur balai au sac rigide est une sorte d'hybride. On a coupé celui-ci en deux pour vous montrer l'intérieur. Il a des brosses rotatives, comme le Hoover, mais à l'intérieur, l'air et les saletés montent directement par l'arrière dans le sac. Il fonctionne plutôt comme l'aspirateur traîneau, car l'air qui ressort par le bas du sac est propre. L'air passe par le ventilateur pour finalement ressortir à l'arrière. Ces aspirateurs ont tous leurs qualités et leurs défauts, mais selon un récent sondage, il n'y a que peu de différence en termes de performance globale. Vers 1920, de nombreuses compagnies commencèrent à fabriquer des aspirateurs électriques. Booth lui-même avait commencé à en fabriquer sous la marque Goblin. Bill Sutton était l'un de ses employés. J'ai été engagé chez Goblin en 1929. Un membre de ma famille travaillait depuis des années pour la société. Alors, dès mon jeune âge, je connaissais bien les aspirateurs. Ce modèle fut fabriqué en 1908 et présenté au premier salon de la maison idéale. Vous voulez m'aider à faire un peu de ménage? Ah, il faut être deux. Oui, je tourne cette manivelle et vous nettoyez. Et ça nettoie un peu. Au salon, quand on vendait un modèle, il fallait demander à l'usine d'en fabriquer un autre.
Il marchait mieux que la plupart des balais mécaniques, mais il n'était pas pratique. Booth décida alors de développer ses propres modèles électriques. Comme vous voyez, l'interrupteur et les fils sont très anciens. Ils ne seraient jamais homologués aujourd'hui. Où va la poussière? Elle entre ici. Ah, et je vois. Et vous enlevez ceci pour le vider. Cette machine fut fabriquée en 1930. Elle est unique, car elle s'utilise à la verticale pour nettoyer plus facilement. Elle coûtait un peu plus de 5 livres à l'époque. Son principal atout, pour épousseter, il suffisait d'enlever le sac, d'y passer le bras et enlever la poussière à la main. Il y avait aussi des accessoires, mais ça c'est une autre histoire. Ce Goblin S fonctionne sur 210 volts. Aujourd'hui, la norme est de 240 volts. Mais dans les années 30, il y avait deux voltages à Bristol, et à Londres, il n'était parfois que de 100 volts. On les achetait dans des magasins d'électroménager ? Ça n'existait pas encore. Les appareils ménagers étaient vendus dans les magasins de vélos. La société employait des vendeurs qui faisaient du porte-à-porte. Par moment, Goblin en employait jusqu'à 2500. You've heard of the radio? You have now got electricity, but this is what you haven't got, the vacuum cleaner. Look, it is... Well, I don't know. Yes, no, I'll just take this wire, plug it into your socket like that, and we will have a demonstration. If you would care to stand up a minute, madam. See, now then, did you know that in that chair is hidden dirt? Every part of your house has got hidden dirt. Look, it's all in there now, madam. Look, this is what you were sitting on. Dust! Les ventes devaient se faire le soir, car seul le mari était autorisé à signer le bon de commande. La plupart du temps, on devait vendre le vendredi ou le samedi quand il avait touché sa paye. Autrement, vous n'obteniez pas d'acompte. Je vais examiner en détail les différents éléments de l'aspirateur. D'abord, il y a le moteur. Les moteurs électriques sont des dispositifs plutôt surprenants, mais ils dépendent surtout des propriétés magnétiques de l'électricité. Si j'enroule un fil de fer autour d'un clou... Plus je l'enroule, plus le magnétisme est puissant. J'utilise les 12 volts de courant continu d'une batterie de voiture. Bien sûr, il ne faut jamais, jamais utiliser le courant du secteur. Le clou devient magnétique quand je mets le contact, et quand je le coupe, il perd la majeure partie de son magnétisme. Et si j'enroule le fil autour d'un tube en cuivre, et si je le tiens au-dessus du clou, l'attraction magnétique soulève le clou de la table. Ceci est un électroaimant industriel avec la bobine de fil de fer ici. Ceci est le morceau de métal qui est attiré. Ça vient d'une machine à sous. C'est le dispositif qui libère les pièces quand vous avez gagné. J'utilise souvent ce dispositif sur mes machines. J'ai fabriqué celle-ci pour un avocat. C'est le portrait du fondateur du cabinet, son grand-oncle. Il voulait un dispositif pour le faire réagir aux confidences parfois douteuses de ses clients. Mais n'osant pas l'utiliser lui-même, il plaça la boîte de sorte que les clients eux-mêmes puissent s'en servir. Si on regarde à l'arrière, on voit que le dispositif qui soulève la perruque est un électroaimant. De lui-même, l'électroaimant ne produit qu'une action linéaire, plutôt saccadée. Mais il est assez facile d'utiliser l'attraction électromagnétique pour faire tourner un objet.
Pour vous montrer le principe d'un simple moteur électrique, j'ai fabriqué celui-ci en utilisant des objets de récupération. Des clous, une lame de scie à métaux, une vieille aiguille, un bouchon et une boîte de nourriture pour chien. J'ai fabriqué le commutateur du moteur avec un bouchon et des fils électriques. Il agit comme un interrupteur rotatif. Chaque fil électrique est relié à une bobine. Quand les fils sont en contact avec la bande de cuivre, le courant passe. Seules deux bobines sont alimentées simultanément. Ces deux bobines sont magnétisées par le courant électrique. Elles sont attirées par ces deux bobines. En suivant l'attraction par ici, ces bobines se déconnectent, entraînant cette autre paire de bobines qui sont attirées ici. Elles se connectent à leur tour, créant ainsi un mouvement de rotation. Je l'allume. À première vue, le moteur de l'aspirateur ne ressemble pas au moteur à boîte de conserve de Reitz, mais si on regarde à l'intérieur, il a des éléments très semblables. Voici le commutateur, les contacts rotatifs. Ces bobines de fil de fer tournent autour de l'axe et ces bobines à l'extérieur les magnétisent. Il y a différents types de moteurs électriques, mais tous dépendent des propriétés attractives de l'électricité. Il est difficile d'imaginer ce qu'était le monde sans les moteurs électriques. Ce n'était sûrement pas pratique du tout. La plupart des appareils électroménagers en sont équipés. Les aspirateurs, les outils électriques, les lave-linges, les réfrigérateurs, les magnétophones et autres. Leurs ancêtres, les moteurs à vapeur, étaient lourds et dégageaient beaucoup de chaleur. Il fallait les alimenter pendant des heures avant d'obtenir assez de pression pour les faire fonctionner. Les usines avaient un seul moteur à vapeur relié à chaque machine par tout un système de courroies et d'engrenages. À l'usine, son utilisation n'était ni très pratique ni très sûre, et dans les maisons, elle était impossible. C'est le ventilateur encastré près du moteur qui aspire. Grâce à la fumée, on voit par où passe l'air. L'air est directement aspiré vers le centre du moteur qu'il sert à refroidir avant d'atteindre le ventilateur. L'air qui ressort des aspirateurs est souvent assez chaud. Sans cet air qui le traverse, le moteur chauffe rapidement. Le ventilateur fonctionne avec ses ailettes rotatives qui tournent et repoussent l'air vers l'extérieur. L'air arrive par le centre et les ailettes tournent en le poussant vers l'extérieur. Il y a un jeu d'ailettes qui ne tourne pas, un jeu statique qui renvoie l'air vers le centre. Un deuxième jeu d'ailettes rotatives pousse l'air vers l'extérieur. Et finalement, un deuxième jeu d'ailettes statiques renvoie de nouveau l'air vers le centre. Ces deux étapes doublent la puissance d'aspiration. Les ventilateurs sont surprenants car ils ont besoin de moins de puissance quand l'arrivée est bouchée. On peut le voir en utilisant ce compteur qui montre la quantité de courant utilisé par le moteur. Je le mets en marche. Le bruit du moteur augmente quand je bouge l'arrivée, car il tourne plus vite. Mais il surchauffe aussi, car l'air ne circule pas. Non, vraiment, ça n'est pas une bonne idée. La puissance du ventilateur est étonnante. Ici, on a fixé le tuyau de sortie de l'aspirateur à un sac en plastique. La pression de l'air dans le sac soulève sans problème ma voiture. L'aspirateur a même assez de puissance pour gonfler des objets bien plus grands. Une compagnie anglaise a fabriqué ce cochon pour Pink Floyd.
Une fois gonflé, un petit aspirateur de voiture suffit pour compenser l'air qui s'échappe par des trous et pour le maintenir bien gonflé. Un aspirateur de taille normale peut empêcher des objets immenses de se dégonfler. En ce qui me concerne, je n'ai utilisé qu'une seule fois un aspirateur. C'était pour fabriquer cette boîte à collecter de l'argent pour une association écologique appelée Terrain d'Entente. C'est en quelque sorte un clin d'œil car j'ai fabriqué une surface avec différentes empreintes. La surface est en caoutchouc. J'ai commencé les essais en mettant des morceaux de caoutchouc devant un tuyau d'aspirateur. Chaque empreinte est reliée à une pompe aspirante par un tuyau doté d'une valve de machine à laver. Et cette minuterie ouvre et ferme successivement les valves. Le dernier élément important de l'aspirateur est le sac qui sert de filtre. Des trous minuscules dans le papier ou le tissu retiennent la saleté, mais laissent passer l'air. Les saletés plus petites que les trous mesurant environ 1/200 de millimètre de diamètre passeront à travers le sac. Je peux vous le montrer avec cette cartouche de fumée qui contient des minuscules particules de teinture rouge. Si je la mets près du tuyau d'entrée, on voit la teinture sortir de la machine par la grille. Ah, j'ai oublié de l'allumer. En principe, environ 15% de la poussière domestique est d'une taille infime et passe à travers la machine. Rex a été réparateur d'appareils électroménagers et il a constaté que les gens l'ignoraient. Parfois, on me demandait de réparer une machine dans laquelle le client avait mis une pochette en plastique à l'intérieur du sac de l'aspirateur pour pouvoir jeter les saletés plus facilement. Ça bloquait complètement le passage de l'air. Il n'y avait pas d'aspiration et bien sûr, ça ne marchait pas. Les sacs jetables doivent être changés régulièrement. Certains clients vidaient le sac et le réutilisaient. Or, le sac devient inutilisable lorsque ces petits trous dans le panier se bouchent avec la poussière. J'ai eu un ou deux clients qui avaient un aspirateur depuis 10 ans et possédaient encore la totalité des sacs originaux. Ils n'en avaient utilisé qu'un seul. L'aspirateur est une machine relativement simple. Il a un moteur, un ventilateur et un sac. Mais on lui mène la vie dure à le pousser et à le tirer tout le temps. Les anciens aspirateurs étaient garantis à vie. Aujourd'hui, ils ne durent que quelques années. L'aspirateur moderne n'est pas parfait, mais il a un très bon rapport qualité-prix. En 1950, l'aspirateur coûtait l'équivalent d'une semaine de salaire. Aujourd'hui, son prix a été réduit de plus de la moitié. Les constructeurs ont fait des efforts impressionnants pour réduire leurs coûts. Et à ce prix, on ne peut s'attendre à des miracles de longévité. Mais même si l'aspirateur n'est plus vraiment très solide, même s'il ne donne pas entière satisfaction et que sa durée de vie est trop courte au goût des écologistes, il a plus de personnalité que la plupart des autres appareils ménagers. Et puis, je l'aime bien.